Et re-bonjour. Non, 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 absolument pas. Non, 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 c'est pas vrai. Non, 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 je me suis pas fail, hein, pas du tout. C'était fait exprès, c'était pour rigoler, c'était une petite blague. Fail de tout à l'heure, mais non, c'est pas vrai, j'ai pas fail. Arrêtez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est illusion d'optique générale. On a tous pris un petit champignon et puis du coup, on a tous. Vu des choses cheloues sur le chat tout à l'heure, mais ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas, ça n'a pas été un fail, non, non, non. Heureux tout le monde, bonjour, bah bonjour aux personnes qui regarderont en rediffusé, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai la notif, yes. Est-ce que vous entendez le game ou pas? Ou est-ce qu'il faut que j'augmente le son? On va charger la partie d'Ariane. J'ai pépé, j'en pleure maintenant! T'es fail le lien, tu l'as, oui! Oui, je me suis fail, oui. Ah oui, regardez, c'était. On avait créé Nicki Minaj. J'espère qu'on rencontrera Nicki Minaj. J'espère qu'on la rencontrera. T'inquiète pas, j'ai pas screen. Ouais, j'espère. J'espère que vous avez pas screen. On dit pas. Oui, le petit like, le fail de la soirée, mort de rire. J'ai réussi seulement au bout de la troisième fois un fou rire. Marie me regarde d'un air et me demande de dire mais what? Qu'est-ce qu'elle a fait encore, cette quinzelle? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Bon, Ariane, elle au moins, elle se fout pas de ma gueule, hein. C'est sûr que c'est du coca. Ben oui, c'est du. Ah! Alors, ouais, Nola! Hey Tommy! Qui a screen CVP? En plus, qui me le demande qui a screen, quoi. Nikki et les croix sont de retour. Pourquoi tu dis Ariane? Parce que, je sais pas, je suis chelou. Voilà, je suis chelou. Je suis une fille chelou. Donc, nous sommes avec Ariane. Et Ariane, en fait. Ariana Grande. Hein, parce que c'est un mélange. En fait, Ariane, c'est mixte d'Ariana et de Grande. Donc, Ariane. Ariane, elle est trop gentille. Coucou Miss Porcas, coucou Soriane. Et merci à Stricats. Bienvenue à toi, merci beaucoup. Alors aujourd'hui dans les aventures d'Ariane, bah, on en était où? Ah oui, on devait chercher un nouveau contrat, payer les factures aussi éventuellement, et on commence à avoir beaucoup d'argent. On commence à avoir beaucoup d'argent quand même, 4500 simflouz après que les factures seront payées. Et pour la carrière, nous allons chercher un contrat, chercher des contrats. Allez, on va chercher les contrats. On va voir un petit peu. Une maison de luxe. Alors, on n'a pas encore assez d'argent pour prendre une belle grande maison, mais ça commence à venir l'argent, hein. Et merci juste Léna, bienvenue. J'aime bien que ça commence à venir l'argent. Tu sais, t'imagines les petits dollars qui sont en train de marcher vers la maison, tu sais. Qui a screen? Mais non, personne n'a screen. C'est pas vrai, Kim, il ne s'est rien passé. Screen quoi? Screener quoi déjà à la base? J'ai 4800 GG Roman. Alors, on a des nouvelles choses qui sont apparues. On a des nouvelles choses qui sont apparues. Donc, la chose qui nous fait gagner le plus d'argent, c'est détective. Alors, gain du contrat entre 1200 et 2700 simflouz. Oui, vous avez très bien entendu. Avec l'audition mardi à 19h. Et si ça fonctionne, on a le contrat pour jeudi matin. Il faut avoir niveau 5 de la compétence fitness. Eh bien, écoutez, on va prendre ça. On va prendre ça, on va regarder un petit peu le fitness. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revoir peut-être Nicki Minaj à la salle de sport? Et merci Miss Elodie, bienvenue à toi. Que s'est-il passé? Je n'ai pas compris. Il ne s'est rien passé, Marina, ne t'inquiète pas, il ne s'est absolument rien passé. Détective Grande. Bah d'ailleurs, est-ce qu'on peut voir justement le contrat? Devenir une célébrité 3 étoiles? Mais ça, c'était pas dit. Ça, c'est quoi? Ah non, ça, c'est. Ok. Ça c'est. Ah non, je suis pas dans le bon truc. Voilà, ici niveau 5 de la compétence. Audition pour devenir détective. Personnalité dure et autoritaire recherchée pour jouer un homme de loi. Bon, bah désolé, regardez, il va falloir que tu dessines une petite moustache. L'inspecteur loi patrouille des rues malfamées au nord-ouest du quartier sud-est de San Myshuno, faisant justice, coffrant les malfrats et imaginant des façons très innovantes d'utiliser les menottes. Oh mon Dieu. Ça devient très bizarre. Gunter, salut Anna, que dirais-tu de rejoindre les groupes les avant-gardistes? Non, ça m'intéresse pas. On va prendre une petite bouffe et puis, bah, écoutez, est-ce qu'on a déjà 5 en fitness? On n'est que 3! Oh my god!
Bon. Est-ce que vous pensez que Nikki peut être à la salle de sport? Il faut un nouvel ordinateur. Oui, bah tiens, on va. Bah tiens, est-ce qu'on peut le prendre tout de suite, l'ordi? Est-ce qu'on va pouvoir le prendre tout de suite, l'ordinateur? Le nouvel ordinateur. L'ordinateur du boulot. Combien qu'on a? Moi, je prendrais bien le Mac. En plus, il vaut son prix 4000. Parce que bon, après, les autres, hein, celui-là, à 10 000, hein, on va peut-être pas prendre. Parce qu'il y a, y a celui-ci. Donc, de toute façon, celui-là, on le revend, hein. À 4000. Ah, ça fait très. Parce que celui-là, voilà, il est pas ouf. Ouais, tiens. On va prendre le Mac, hein. Allez, placement de produit, bonjour. Bonjour, bonjour. Le petit chat. Ariane est grande. Oui, Nikki à la salle. Lui, elle doit y être Nikki. Elle doit entretenir son popotin. Hein, tu pourrais peut-être prendre exemple, Ariane. Hein. Ça ne va plus, là. Le popotin, c'est pas trop ça. Hein. Il faut que tu manges un peu plus, hein. Ah, pourquoi elle mange pas? Mange. Mange les asperges. Bon, c'est pas ça qui lui fera grossir le popotin, mais. Coucou Eliane. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va aller à la salle de sport. Moi, franchement, j'aimerais bien que Nikki y soit. Franchement, ça va être cool si elle y est là. Un petit peu de divertissement. On va peut-être se faire une amie ou pas. On va peut-être se faire rejeter aussi. Après, vu qu'Ariana, elle a une facilité, elle a une aptitude qui lui permet également de pouvoir devenir amie avec des célébrités. Voilà. Ce serait bien. Elle commence quand même à devenir un petit peu populaire. Donc pourquoi pas? Est-ce qu'on invite des gens? Ben non, on va inviter personne. Comme ça, si on rencontre Nicki Minaj, les asperges volées. Non, c'est pas vrai, je vois pas de quoi tu parles. Et merci Anastasia, bienvenue à toi, merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Ellie Poupoutise, ça va Think You Next? À chaque fois que je vois le nom Ariane, je chante Think You Next. J'ai vu de moi, mais je crois que je l'ai écouté vite fait, mais je me rappelle plus. Je veux trop la revoir. Bah ouais, Nicki. Bah après, elles vont devenir bonnes copines. Après, on les fera devenir copines. Mais faut déjà qu'on puisse la rencontrer. Bon, on sait où elle habite, mais bon, ça ferait genre trop chelou qu'on emmène Ariane pour aller la voir dans son. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. Mais en général, les personnes commencent à venir juste après. Donc pour le moment, on va commencer une petite course d'endurance en espérant qu'Ariane vienne, quoi. Ce serait cool qu'elle vienne, quoi. En plus, vu que c'est une star, et on voit souvent des stars qui viennent, justement. On va scruter. On va scruter. Pour l'instant, je ne la vois pas. On n'a pas de chance. Peut-être qu'on ira après le soir au bar. On aura peut-être plus de chance de la rencontrer au bar. À une fête. Je sais pas. On est niveau 4. En tout cas, fitness, il faut encore qu'on monte au moins d'un niveau pour réussir, au moins espérer réussir l'audition. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle pue. Oh non, tu peux pas puer en public. Ariane, ne pue pas en public. Mets du déo vite. Alors, on va lui demander d'aller se laver, ça ne va pas. Oh non, non, non. Prends une. Allez, viens ici. Oh mon dieu, les stars adorent faire du sport. Au pire, on a liké le live, on peut le revoir et screen le fail. Mais non, c'est pas vrai, c'est un mythe. Coucou la vie des animaux, Relila. Re, t'as de la chance pour jouer car moi ça marche pas. Ah ouais, de quoi les Sims ça marche pas chez toi? Qu'on y a pensé en même temps. Coucou à Koala. Ça va et toi? Coucou Nougiam. Tu te rappelles, merci. Vous êtes trop gentil. Mais du coup, pour le divertissement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah mais tiens, mais on peut faire aussi de la piscine ici. On va faire se baigner sans aucun vêtement. Non, 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 non. Et merci, merci beaucoup pour le don, Anastasia. Je te fais un énorme cœur-cœur. Merci beaucoup pour le soutien. Et bah dis-moi, mais qu'est-ce qui marche pas? C'est ton jeu qui ne marche pas, le Sims 4? Je vais dormir, ça marche, Maë, bonne nuit à toi. Coucou David, ça va et toi? Trop beau ton décor, merci, Quinzella. C'est quoi l'histoire de. Mais il n'y a pas de fail légendaire. Ne les écoute pas. C'est des hérétiques. Ne les écoute pas. Allez, on va faire faire des longueurs, tiens. Est-ce que ça te divertit peut-être de faire des longueurs, non? Je trouve ça divertissant quand même. La piscine, c'est rigolo, non? Oui, un petit peu de divertissement. En faisant des longueurs. Comme un poisson dans l'eau. Je pensais pas qu'on allait la voir en maillot de bain de sitôt. Rien n'a pu. Bah oui, mais c'est pas bien parce que je sais pas si ça peut impacter sa notoriété de puer en public, quoi. Coucou Luluxa. Bon, déjà qu'à un moment donné, hein, y a eu un certain. Comment on les appelle un certain réalisateur qui a dit que je sentais pas bon, hein.
et que du coup ça avait affecté, ça m'avait affecté au travail, hein, déjà. Donc c'est bon, ça suffit, hein. Coucou, devine à quoi je joue. Coucou, Ruby. Pokémon? Coucou, Bubble. Il y a des semi-nus devant tout le monde, t'imagines? Oh non. Oh, ce serait terrible. Non, 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 il n'y a pas de fail. Non, 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 ça n'existe pas. Comme Johanna, elle le dit, ça n'existe pas. Coucou, Luluxa. Coucou, Amélie. Se baigne à poil. Ouais, mais non, là, c'est... Bonjour. Voilà, des courbatures, quoi. Oh, la pauvre, voilà, des courbatures. On va lui demander de rentrer, elle est fatiguée. On n'a pas le bon niveau encore. Oh mon dieu, mais t'es vraiment une... J'ai enregistré les files. Hey, non, comment t'as pu? Tu peux pas l'enregistrer, les files. Tu peux pas les enregistrer. No, you can't. You can't do that, hein. Ok? Et merci pour le don. Oui, car je lance et ça bug depuis 6 mois. Alors Anastasia, si tu me dis quel bug que c'est, je pourrais peut-être t'aider parce que des fois ça vient souvent des CC. Si tu as des CC, il faut que tu les désactives dans ton dans les options. Il faut que tu désactives tes CC et que tu relances le jeu et des fois ça peut remarcher. Souvent ça vient de là. Souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent ça vient de là. On va l'envoyer dodo. Dodo, elle va aller dormir. En plus je voulais dire un truc, mais entre-temps j'ai oublié trop de dons. Merci. Action, lol. Non, non, non. Non, non, non. C'est dans vos mêmes actions, ils se l'imaginent. Je dirais que c'est du trucage. Oula, c'est quoi ça? Pourquoi il y a du truc par terre comme ça? Et tu connais des vovos? Yes! Moi, j'ai eu super mal au bras à cause du badminton. Ah, bah oui. Oh my god, tu m'as dit coucou. Bah oui. Mais c'est quoi des CC? Les CC, c'est des. C'est les contenus personnalisés. Par exemple, dans la chambre, ça, le PC Mac, c'est un contenu personnalisé. Le lit, là, c'est je l'ai téléchargé, donc c'est un contenu personnalisé. Donc CC, en fait, c'est contenu personnalisé, quoi. J'ai installé une quinzaine de ces petites joueuses, Miyuli, petites joueuses. Moi, quand je commence à installer des CC, laisse tomber. Catastrophe. Genre, c'est centaines par centaines, en fait. Bon, alors, on commence quand l'audition? Parce qu'on n'est pas bon hein, pour l'audition. Hein. On n'est vraiment pas bon. Hein. On n'est qu'à la moitié et ça commence... À 19h, aujourd'hui à 19h! Aïe aïe aïe, ça va pas du tout là, les gars. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, on n'est pas bien là. Et Sarah, pourquoi CC et pas CP? Parce qu'en fait, CC c'est la version anglaise, je pense. Ça c'est custom content. Custom content en anglais, mais en français ça se traduit à. Voilà, en gros contenu personnalisé. Mais vu qu'on dit CC, version anglais. Coucou Sailor Luna. Les CC, c'est des vêtements créés par des gens comme nous, sauf qui sont plus à la mode et tout. Ouais, voilà, c'est des contenus supplémentaires, hein, mais autant ça peut être des vêtements, autant ça peut être des objets. Par exemple, là, la déco, c'est personnalisé, ça c'est personnalisé, le lit c'est personnalisé, la commode c'est personnalisé. En fait, tout dans la chambre est personnalisé. Je ne sais même pas si j'utilise un CC non personnalisé. Peut-être à la limite le tableau, je sais même pas. Oui, mais c'est dès que je clique sur les Sims. Ah! Est-ce que t'as essayé de désinstaller, réinstaller? Ou des fois, tu peux cliquer droit sur les Sims et mettre réparer les Sims sur le launcher d'origine. Et merci encore pour le don, merci beaucoup. Des fois, le désinstaller, réinstaller, ça peut aider. Tiens, j'entendais Ariana chanter sa douche, je comprenais pas d'où venait ce son. Bah oui, en fait, elle chantait. En fait, à chaque fois que je lui fais prendre sa douche, je lui demande de chanter sous la douche en même temps, comme ça, elle s'entraîne. Pas de dab. Avec plaisir. Bon, on retourne à la salle de sport. Je ne sais pas si on aura cette chance de rencontrer notre chère copine qui. Elle sait pas encore que c'est notre copine Nicki Minaj. Mais en vrai, ça se fait, elles vont se détester. Hein. En vrai, on sait pas, mais ça se fait, elles vont peut-être pas s'apprécier. Bon, j'espère qu'elles s'apprécieront parce que c'est les futures voisines, mais bon. Excusez-moi, les Smith 4 marchaient. Là, ils ne marchent plus. Il y en a trop, mais ils me disent que le programme ne répond pas. Je suis deck, tu peux m'aider. Essaye d'enlever des CC. T'enlèves carrément. Bah, après, je sais pas si vous utilisez les CC, mais souvent ça vient de là. Donc, le mieux c'est que vous essayez d'enlever le dossier. Vous avez tous les CC. Parce que des fois, il y a un CC, un mode qui peut être en conflit avec la nouvelle mise à jour du jeu. Et vu que t'as dit que c'est récent, c'est peut-être justement avec l'arrivée de Heure de Gloire. De toute façon, dès qu'il y a une nouvelle mise à jour et que votre jeu commence à planter à partir d'une mise à jour, ça vient souvent des CC. Kiniki, Harry, oui, parce qu'on a créé Nicki Minaj dans le jeu pour qu'elle devienne amie plus tard et voisine. Et elle l'a pas encore rencontrée, donc bon, j'aimerais bien qu'elle se ramène.
Qu'elle ramène son boule à la salle de sport. Bon, je regarde devant, on sait jamais, hein. Oh, c'est pas elle. Huda. Huda, Huda. Faudrait qu'on crée aussi des rivales. Genre Nicki Minaj, c'est... comment elle s'appelle? C'est Cardi B, je crois. Je crois avec Iggy Azalea aussi, elle s'entendait pas très bien. Mais là, je la vois pas, non. Par contre, il y a Vanessa. Bonjour, Vanessa. Attends, on va parler en même temps. On va parler en même temps. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de combien ton live me change les idées? Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci, mais j'espère que ça va aller quand même. Créer Lady Gaga. Ouais, Lady Gaga, elle est plus dans le game, là. Elle est plus dans le game, Lady Gaga. Elle a disparu. Elle est où? Hey, coucou, Abesta, coucou. Prendre une photo ensemble. Flatté. Devenir meilleures amies, tiens. En attendant que Nikki n'est pas là. Raconter des ragots, hein. Parce que bon, entre copines, on aime bien. Oui, Cardi B. Ouais, en plus, Cardi B, vous vouliez que je la crée déjà. Coucou, chouchou, comment vas-tu? Les extensions vont tomber si tu crées Cardi B. Elles vont se tabasser, c'est ça? Ah, elles sont devenues meilleures amies, mais bon. Désolée, Vanessa, tu n'es qu'un bouche-trou en attendant que Nikki arrive. Mais en vrai, je l'aime bien, Vanessa. Faudrait que je lui fasse un petit relooking, genre. Et qu'elle reste amie. Combien tu as pris de temps pour ta décoration derrière toi? Toute l'après-midi. Parce qu'il fallait enlever encore l'ancienne, nettoyer, mettre la nouvelle. Pour Lady Gaga, il faut les croix sur les seins. Ah, mon dieu. Qu'est-ce que le dab? Ah, eh ben oui, après être démodé 15 à produit dab avec une boîte de pub, j'ai pépé. Coucou Carole. Heureux. Un bouche-trou. Oh my fucking god. Ouais. Eh ouais. Ah, je me rappelle ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié. En fait, je voulais dire que Aria, c'est une chouin parce que quand elle est sortie de la piscine, elle avait genre 3 ou 4 fans qui l'attendaient et elle s'est barrée chez elle en mode je les calcule pas, je rentre chez moi direct. Même pas un bonjour, même pas un petit autographe, rien, s'est barré quoi. Vraiment, Ariana quoi. Ariane, hein. Ariane, c'est quoi ça? Bon, tu parles, mais est-ce que t'as à 19h, tu. Oh! Encore un petit peu. Il faut vraiment que tu. Vraiment, niveau 5, parce que sinon, c'est mort quoi. Et il nous reste 4 heures quoi. Ouais, je pense qu'il y a moyen en 4 heures d'avoir le niveau 5. Bonjour! On a des fans. Oh! Oh! Ah bah désolé hein. Il va être quelle heure? Il va être 16h. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La vie de chouin, c'est tout un art. Oh Mioli. Fais Selena Gomez. Bah, en plus je l'aime. J'ai déjà fait Selena Gomez. Je l'ai déjà fait. J'avais fait une vidéo, j'avais préparé une vidéo et tout. Et entre temps, vu que j'ai perdu tous mes données de mon ordinateur, tous mes CC, bah du coup j'ai plus les CC pour vous les remettre. Mais vrai, je récupère celle que j'ai fait et remplacer peut-être les CC qui me manquent par d'autres CC et vous la partagez quand même. Aya Nakamura pour de la concurrence. Bon. On va lui demander d'arrêter. On est niveau 5, aptitude fitness. On va aller chanter sous la douche. On va rentrer à la maison et espérer obtenir le job. Et normalement, ça devrait être bon, je pense. Ça devrait être bon. Coucou, c'est faux, comment vas-tu? Mais pourquoi tu joues pas Nicki Minaj alors que tu l'as créé, JPP? Parce qu'à la base, c'est le let's play de Ariana. Mais bon, on peut très bien s'amuser à créer des nouveaux personnages dans le quartier pour Ariana, pour son entourage, pour créer des histoires. On va créer aussi ses ex, comme ça fera un petit peu de piment. On créera aussi un copain. Sinon, c'est pas marrant s'il y a que Ariana, Ariana, Ariana. Alors qu'avec Nicki Minaj, on pourra créer des histoires sympas, l'inviter tous les jours, faire la fête avec elle. Ce genre de choses. Est-ce qu'on a le temps de prendre des restes, peut-être? Parce qu'elle part dans une demi-heure, elle doit y aller à l'audition. Demandez si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec lui. Bon, toi, tu m'appelles à 20 minutes avant mon audition, toi. Toi, t'as tout compris, toi. Toi, t'es un vrai pote, hein. Tu connais pas mon emploi du temps. Ok, elle est partie, ça. Hop. Nouvelle spécificité, palais raffiné. En tant que célébrité, Ariana s'est habituée aux repas d'excellente qualité. Manger de la nourriture indigne de ses attentes élevées la rend de plus en plus mal à l'aise. Ouais, c'est ça qui était pas bon. M'avait dit, ouais, fais attention de pas trop lui donner de la nourriture, entre guillemets, excellente. Ok, audition réussie. Ariana, vous avez été engagée pour... Hein?
pour le rôle dans cette série dramatique sur les forces de l'ordre. L'idée que des Sims puissent avoir une force pouvant maintenir un ordre quelconque est risible. Une faille dans votre nature vous rend tous chaotiques. Nous avons hâte de voir cette comédie. Elle peut sortir avec Nicki Minaj, ceci dit. Bah, le truc, c'est qu'elle est hétéro, notre très chère Ariana. Du coup, ce ne sera pas possible. Elle a eu que des garçons en petits copains. Et je crois que Nicki Minaj, elle aussi, elle a déjà un copain, là. Ou je sais pas, là, je sais que la dernière fois, je crois qu'elle lui avait cassé sa voiture ou un truc comme ça. Et merci pour le don. Et merci, Mailu. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Vu qu'on essaie un petit peu de faire ressembler sa vie comme dans sa vraie vie de celebrity. Allez, va dormir. Alors, vu que l'audition réussit, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'audition? Qu'est-ce que nous devons faire? Développer les compétences jeu d'acteur, développer les compétences fitness et lier l'amitié avec la co-vedette. Bon, c'est bon, heureusement qu'on devient toujours amis avec les amis, enfin avec les vedettes, les co-vedettes. Bon, parce que la vedette, c'est nous. Donc là, développer jeu d'acteur. Ben voilà. Mais voilà. Ah, c'est du collège qui a pas Snapki. Toi? Hey Geek Fun, comment ça va? Rue Maëlys. Il fait trop froid, bah, c'est pour ça que je suis en pull moi. Mais plus ça va, en plus ça passe. Ça marche Roman, bonne soirée. Moi je dis, peu importe le milieu, la bouffe c'est la bouffe. Ariana Chouin de luxe que tu es. Bah oui, hein, de la bouffe c'est de la bouffe. Hein. Ça, tant que ça se mange, c'est bon, non? Ok, après fitness, on va l'envoyer faire un petit jogging, hein, parce que j'en ai marre d'aller à la salle de sport tous les jours, hein, c'est bon. On va faire du sport. Comment on fait pour l'envoyer maintenant? Allez courir, vas-y, va courir. Mais pourquoi elle se met pas en tenue sport? Ah si, c'est bon. Je viens de me dire, mais pourquoi? Comment ça, pas commencer? Je viens de faire le tour du quartier. À 25% seulement. D'accord. Ah, coucou Vanessa! Au revoir Vanessa! Allez, refais un petit... une deuxième fois, comme ça, t'as fini. Et comme ça, on va aller faire un petit tour au bar, en croisant les doigts de rencontrer Nikki encore, parce que bon, j'ai envie de la rencontrer naturellement, pas aller dans son quartier, sonner chez elle. J'aimerais bien vraiment la rencontrer naturellement. Mais dans tous les cas, au moment où on déménagera dans le quartier, forcément, on deviendra amis avec elle, parce que vu qu'elle est juste à côté, c'est sûr qu'on la croise. Chanter sous la douche, tout ça. Prendre des restes devant un film. Garder la chaîne Humour. À moi, à Marseille. Ah, j'ai pire peur, je vais manger une glace. Ah! Oh, Nougiam, je t'aime. Je t'aime, tu viens de me rappeler que j'ai acheté la dernière fois au magasin, j'ai acheté de la glace au nougat et j'ai complètement oublié. Et là, j'étais en mode, ouais, j'ai pas acheté de gâteau, j'ai pas acheté de bonbons. Enfin, les gâteaux que j'avais achetés, on me les a tous mangés. J'ai même pas eu le temps d'en manger. J'ai pas acheté de bonbons pour ne pas manger de bonbons. Mais j'avais acheté de la glace. Et puis, je viens de me rappeler que j'avais de la glace au nougat. Oh mon Dieu, merci. Merci, je t'aime. Tu m'as sauvé la vie. Il m'a sauvé ma soirée. Après, j'irai me chercher un bon bol de glace au nougat. C'est trop bon. Souhaite venir passer du temps ici. Êtes-vous d'accord? Non, mais par contre, si tu veux, je t'invite au bar. Ouais, enfin, il est encore tôt. Il est que 14h30. Mais c'est pas grave. Hein. On a jusqu'à quand? Parce que c'est l'audition. C'est ce soir qu'on travaille, je crois. Commence jeudi. Non, c'est bon. Donc, on a toute la journée. Donc, on va aller au bar. T'en penses quoi de mon profil? My Little World Licorne, bon, il est bien. C'est long, mais c'est bien. Non, d'où on te pique ta bouffe, c'est scandaleux. Bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis trop pressée de recevoir le suite. Oh my god, moi j'ai trop hâte de recevoir les premières photos. Bah normalement, vu que ça va bientôt faire 2 semaines que j'ai mis ma boutique en ligne, bah du coup, vu que le temps d'envoi, bah moi personnellement, ça me disait que ça arrivait 2 à 3 semaines, mais je l'ai eu au bout d'une semaine et demie. Donc je sais pas si j'ai eu de la chance. Ou ils extrapolent le temps de livraison pour être sûr de ne pas avoir de réclamation. Moi, je l'ai eu au bout d'une semaine et demie, mon pull, quand je l'ai commandé. Mais c'est entre 2 à 3 semaines la commande. Et du coup, vu que ça va bientôt faire 2 semaines, je pense qu'il y a les premiers pulls qui vont arriver. Parce que principalement, c'est quasiment, vous avez tous commandé quasiment que des pulls. Et la deuxième chose qui m'a vraiment choquée de ce que vous avez commandé sur la boutique, c'est les coussins, en fait.
J'étais là en mode, what? Moi, les coussins, je les ai mis juste parce que, comme ça, parce que, bah, à la base, c'était Sinistral, en fait. Qui m'avait convaincu d'en mettre parce qu'il voulait en prendre un Sinistral. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que le deuxième chose le plus acheté, bah, c'était les coussins. J'étais là en mode, ah, d'accord, bon, bah, j'ai bien fait quand même, finalement, de le mettre. Ils arrivent demain, moi, bah, j'ai hâte, parce que je vous avais demandé des petites photos et tout. Alors, on va aller au bar. On va peut-être aller à l'autre bar. Il m'a l'air un peu plus hypé, peut-être. Et peut-être qu'on rencontrera Nikki. Voilà. Et là, on invite, bah tiens, Candy, parce que j'ai aussi envie d'être copine avec elle. Vanessa, Miko. On va prendre lui, parce qu'on a beaucoup d'amitié avec lui. Gunther, parce que voilà, il m'avait déjà essayé de m'inviter. On lui a dit non. Anya. Et puis après, on prend. Ouais, voilà. On arrive à Max. Tu peux l'appeler Harry, ça fait tout mignon. Elle le dit quand même qu'on l'appelle Harry. Elle le dit dans son clip. Je suis un fan de regarder les traductions de ses clips. Oui, je suis fou. Ouais, bah on peut l'appeler Harry. On va l'appeler Harry. Puisque moi j'appelle ça Ariane. Après, j'ai tellement l'habitude de dire Ariane que je vais essayer. Je vais essayer. Je ne promets rien, mais on va essayer. À mon arrivée, c'est quoi? Ça, c'est censé être un bar. Par contre, il y a un micro. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir chanter. S'entraîner à chanter. Pour gagner un petit peu d'argent. Voilà, et en attendant, je vais un petit peu découvrir l'endroit pendant qu'elle chante. Voilà, donc premier étage, c'est quoi ça? Ah, c'est un balcon! C'est un balcon. Enfin, un balcon, enfin. Vous m'avez compris, hein. Comment on peut appeler ça? Je sais pas. Bref, vous m'avez compris. Bah si, il y a quand même un balcon devant, mais ici, ça fait bah, comme une mezzanine, en fait. Donc j'étais convaincue en disant que je pourrais troller un peu la loi avec, du coup, mes chaussettes. J'ai d'autres idées! En fait, les chaussettes, je voulais faire en version citron. Parce que c'est vrai qu'avec le logo dessus de Clarzel coupé en deux sur la chaussette, c'est pas ouf. Mais je vais voir un petit peu les chaussettes que Bion, elle voulait mettre dans sa boutique, les chaussettes. Et pareil, ça fait couper en deux. Du coup, ben, je verrai bien. J'ai besoin de toi sur les Sims. Oui, petit chat? Bah, elle va chanter, non? Pourquoi elle veut pas y aller? C'est fermé? Ah, d'accord! D'accord, non, on se casse d'ici. Il y a un videur et tout, genre, on est mal vu. Mais attends, on va quand même essayer d'entrer. Est-ce qu'on peut rentrer ou pas? Convaincre de laisser entrer? Bah, pourquoi on pourrait pas entrer? On est Ariané, quand même! Hein? Je reçois entre le 12 et le 19 décembre. I'm very happy. Nice. J'ai pas sexy sur le live. On dirait pas un bar, on dirait un opéra. Bah ouais. J'ai mal aux jambes et. On s'est fait refouler. Le videur soupire d'un air exaspéré. Ça n'arrivera pas, mademoiselle. Et si vous partiez pour que les VIP puissent passer? Certaines personnes sont impossibles à raisonner malgré ces arguments convaincants. Ariana n'a pas réussi à gronder. Ok, on. D'accord, on va rentrer. D'accord. Regardez, j'ai des fans qui gueulent, regardez. Et elle veut pas me laisser rentrer. Non mais t'es sérieuse madame? Comment elle s'appelle? Attends, Nina. Nina Caliente. En plus c'est Nina Caliente. Nina, je te jure, la prochaine fois que je te vois, je te ferai... Tu voudras venir à mon concert parce que je serai famous? Bah tu rentreras pas Nina, ok? Tu rentreras pas. Parce que je serai pareil que toi. Ok? Je ferai la vidéo à l'entrée juste pour pas que tu rentres. Ok Nina? On s'est fait refouler les gars. On s'est fait refouler. On s'est fait refouler. Moi, je peux pas commander tes pieux, je suis au Canada. Bah, c'est livré au Canada. Au contraire, c'est encore mieux au Canada. Ça coûte moins cher, je crois, la livraison. Vu que ça vient, je crois, des States. Alors, bon, on va changer d'endroit. On s'est faire full. Je suis dégoûtée. Coucou, Awel. La vengeance sera terrible. Ouais, retenez bien Nina Caliente. La prochaine fois que je la vois, je lui signerai même pas d'autographe. Voilà. On deviendra tellement famous qu'elle voudra un autographe et tout. Et on va la refouler aussi. Voilà, Nina, retiens bien, Nina. Retiens bien mon prénom aussi, Nina. Ariane, ok? On va à l'autre bar. On est mal vu ici à Skip. Allez, allez tout le monde, on se casse là-haut. Ils ont refoulé Ariana, quoi? Bah oui, ils ont refoulé Ariana. Ariana Grande! Mais non, respect. Tu fais un live jeudi, je ne serai pas là car c'est Saint-Nicolas. Et vendredi car c'est mon anniv. Ah bah dis donc, c'est bien, tranquille, toi. Rechacorn, coucou Valora. T'inquiète, je vais me rappeler, ouais. Nina, on te déteste. C'est faire full, quoi. Nina Caliente, 0722, lol. 0722.
Oh mon dieu. Et merci pour le don. Les gens se feraient la guerre. Qui dit, non mais vous vous rendez compte? Les profs se sont pas gênés sur les devoirs, Nono. Oh non, on a rejeté le respect par la fenêtre. Non mais là, le respect est mort. Le respect est mort. Par contre, là, on est en train de régresser sur le chant Ariana, là, hein. Ça ne va plus. Hein. Attends, chanter une chanson, pop. On va essayer de changer ça parce que. Chanter tristesse avant l'espoir. Allez, on va faire ça. Célébrité de série B, on est passé! 3 étoiles, les gars! 3 étoiles, on est passé. Est-ce que Nikki est là? Non, Nikki n'est toujours pas là. Mais après, on va rester un petit peu, donc peut-être elle viendra. Ah, oh, stop, c'est qui? C'est. Top! Est-ce que ce serait Nikki? Mais on lui a pas mis cette robe à Nikki, normalement. On lui avait mis notre robe. Mais bon, ça lui va bien quand même. Il y a Nikki, il y a Nikki, il y a Nikki. Ah, on va devenir amis avec. Allez, c'est parti. Mais par contre, est-ce qu'on peut parler avec elle vu qu'elle est une superstar? Drôle. Amicale. Présentation amicale. Regardez, elle vient, se fait prendre en photo et tout par la meuf à l'entrée. Pour un paparazzi, regardez comment elle marche. J'ai l'impression qu'elle vient pour casser des gueules. Est-ce qu'elle... Ah! Elle m'a donné un pourboire! Attends, on finit quand même la chanson, hein. La célébrité d'Ariana commence vraiment à prendre forme. Elle peut désormais clairement... Oh non, non, non! Elle veut repartir! Non, non, non! Non! Au moins, il faut que tu deviennes... Il faut que tu lui parles! Ah, signe un autographe. Demandez un autographe. Vite! Non, elle s'est cassée! Mais qu'est-ce que tu fais encore là-haut? Oh, elle est partie! T'es vraiment lente, Ariane, hein. T'es vraiment lente, toi. Non. Bah tiens, toi. Toi, là. Toi. Toi, là. Elle vient pour niquer des mamans. Qui dans la place. Oh, tristesse. Je sais pas ce qu'elle a foutu. Elle a pas voulu bouger, là. Bah tiens, est-ce qu'on peut donner un pourboire? Ah, c'est elle qui joue la guitare. Mais moi, je vais faire le truc, là, pour les pourboires, là. Jouer la scène d'amour là. Ou oh, attends, je me clique sur moi-même. Voilà, jouer une scène de comédie musicale pour obtenir des pourboires. Voilà, on va voir ce que ça donne. En plus, il y a du people là. Qui veut dire du people veut dire beaucoup de pourboires. Et en plus, c'est bien, elle a arrêté sa guitare donc tout le monde est focus sur me. Allez, joue ta scène. Joue ta scène. Est-ce que c'est moi qui suis en train de prendre en photo? Oh non, mon dieu, non. Ils sont en train de se foutre de ma gueule! Ah, t'es en train de la jouer ta scène de comédie? Merci Rose! Elle chante bien! Elle chante bien. Bon, c'est pas mal, hein, sa petite musique, hein. C'était pas mal. C'était pas mal. On a gagné une cinquantaine de simflouz là, ouais. On va dire ça comme ça. Non, je vais pas chanter de sérénade, moi. Chanter une chanson folk. Voilà, allez, va. Va chanter. Coucou, œil. Ah, né, non, tu tapes la honte. Regardez, écoutez. Tout le monde s'en battait les steaks, ouais. Ouais. Bah, au niveau de la voix, c'est pas mal. Note que Nikki est juste entrée te jeter une pièce de 2 balles au visage avant de repartir. Oh, c'était quand même 10 simflouz, hein. Tu es le centre du monde. C'est vrai qu'il y a du people autour. Alors, on va voir un petit peu au niveau de la notoriété. On est passé à 3 étoiles. 3 étoiles. Vous êtes une célébrité de série B. Oh, c'est déjà mieux que rien.
Alors, mais vous êtes en route pour le sommet. En fait, quelques paradis commencent déjà à vous poursuivre dans la rue. D'un autre côté, vous avez maintenant de vrais fans, des Sims qui sont dans tous leurs états, rien qu'à l'idée de vous apercevoir. Toute cette attention commence à vous peser. Utilisez un miroir pour mettre un déguisement de célébrité. Cela vous permettra de sortir en toute discrétion. Mais vous ne pourrez pas améliorer votre notoriété tant que vous porterez ce déguisement. Par ailleurs, votre réputation personnelle peut vraiment influer sur le type de célébrité que vous devenez. Si vous avez commencé à forger votre image publique autour d'une bonne et d'une mauvaise réputation, de nouveaux avantages de notoriété sont maintenant disponibles en renforçant vos actions positives comme négatives. Ah, c'est vrai qu'on a les points de notoriété, on a 2 points à répartir. Ariane, t'as raté Nikki, bah oui. Bah oui, on a raté Nikki. J'ai un code pour avoir plein de codes notoriété. Ouais, je connais, je sais comment augmenter la notoriété en cheatant, etc. Mais pas dans ce let's play, on pourra dire une fois qu'Ariane sera riche et célèbre qu'on l'a fait tout ça ensemble, sans tricher, et ça c'est cool. Va chez elle, Kinzel. Ouais, non. Ah, chez Nikki. Ouais, non, ce serait bizarre, t'imagines, ils se connaissent pas encore. Ariane, elle est pas encore au top de sa carrière, et elle vient lui toquer à sa porte. Dis ce soir sur Discord, au pire, yes. J'arrive pas à mettre ma crème. Ah! Ou ça. Ouais, ça dit j'ai le rôle sponsor Twitch alors que je suis pas sponsor Twitch. What? MDR? What? Je ne sais. Ah, mais peut-être que. Je sais pas. Peut-être que quelqu'un t'a offert le sponsor sur Twitch. J'ai hâte qu'elle soit riche et célèbre, sans triche. Ouais, moi aussi. Comme ça nous ouvrira des portes et on pourra faire de nouvelles choses qu'on peut pas encore faire maintenant. On pourra peut-être un peu moins focus la carrière et un peu plus focus sa vie, sa vie sociale, faire des petites fêtes. Peut-être pourquoi pas, voilà, une fois qu'on arrivera au stade de la carrière et de la richesse, on pourra se concentrer sur elle et peut-être sur une famille, peut-être pour des enfants, peut-être une succession pour Ariane, hein. Je l'ai resub, c'est faux, l'autre soir, elle l'a même pas vu, t'as vu? Ouais, ben voilà, bah c'est faux, t'as ta réponse. Sinistral t'avait offert un sub sur Twitch. Ben voyons, on le remercie même pas, c'est quoi ces manières? C'est faux, voyons. Ah, mon internet a sauté. Ah mince! Il avait une corde à sauter! Il rigole. Donc nous avons 2 points. Par contre, ça, j'aime pas le fait qu'elle ait le palais raffiné, ça me saoule. Et en plus, on m'avait prévenu. Mais bon, tant pis. Alors, soit on a bien fait tort, la bonne réputation d'Arénée lui a permis d'être considérée par le public comme une célébrité gentille et charitable, ayant développé sa notoriété grâce à des actions positives. Elle améliorera désormais sa réputation encore plus rapidement. Alors, il faut donner des objets à vos fans pour développer votre notoriété. De plus, elle pourra désormais donner des objets variés de sa maison à sa légion de fans. C'est un peu bizarre, ça, quand même, de donner des objets de sa maison. Chaque don augmentera sa notoriété et le gain de notoriété sera proportionnel à la valeur de l'objet donné. Ouais, ça c'est chaud quand même. Plus tu donnes d'argent, plus tu deviens célèbre. C'est pas là-dessus que je veux fonder la célébrité d'Ariana, quoi. Et là, c'est quoi? Non connu, gain augmenté pour les objets fabriqués. Plus besoin de faire des auditions et de préparer une tenue. Ah, hein? C'est quoi ça? Tu préfères MSP ou Sims? Moi, les deux. Bah, je préfère quand même les Sims. Le pire, 15, tu fais des bonnes blagues. Lol, piston. Revers, serait bien que Justin Bieber, c'est le mec de Aria. On va voir la gueule de leurs enfants et me dire. Après, ça n'empêche pas qu'on peut créer un Justin Bieber, parce qu'il me semble qu'ils se connaissent, Ariana. Enfin, ils sortent pas ensemble, dans le sens petit copain, mais peut-être qu'ils font des soirées avec Justin Bieber. Hein. Bah oui, il faudra bien qu'on fasse un petit cercle de célébrités autour de Harry. Après, vous la connaissez mieux que moi, et vous savez mieux que moi quelle célébrité faudrait que l'on fasse. Je suis à première vue trop contente. Bisous, ma. Merci, Dylan. Alors, les gens commencent à reconnaître le nom d'Ariana. Désormais, lorsqu'elle vendra, publiera ou déposera quelque chose qui nécessite une compétence pour être créée, elle gagnera plus d'argent et de droits d'auteur plus élevés. Après, elle fait pas. On fabrique. Enfin, on vend pas de choses. On publie pas de choses. On dépose rien, en fait. Si Ariana mène la carrière d'actrice, elle pourra éviter les auditions et se voir offrir immédiatement le rôle. Ah, ça, c'est cool. Ça, j'achète direct. De plus, une fois sur le plateau de tournage, elle ne sera pas obligée de mettre un costume, de se faire coiffer et de se faire maquiller. Elle pourra jouer la scène dans n'importe quelle vieille tenue sans être sanctionnée. Ah, mais ça, je prends direct. Hein. Enfin, c'est surtout pas forcément pour le côté pas maquillée, machin. Ça, au contraire, je trouve que c'est un petit peu nul. Je préférerais limite continuer à ce qu'elle se fasse maquiller et habiller sur les scènes parce que, voilà, pour entrer dans un rôle de personnage, je la vois mal habillée comme ça, pour aller faire un truc de cow-boy, par exemple. Mais pour le côté pas d'audition, là, je valide totalement. C'est vrai qu'arriver à un moment donné, vu que c'est des acteurs qui viennent connu entre guillemets, c'est limite la prod qui leur propose le rôle sans, du coup sans audition quoi. Donc ça je prends et ça c'est quoi? Agence de relations publiques. Alors employer une agence de relations
publique pour gérer votre réputation, obtenir des invitations exclusives. Laissez une agence de relations publiques aider Ariana à gérer son image. Un petit coup de fil à l'agence lui permettra de faire publier un article qui augmentera sa notoriété et influencera sa réputation en bien ou en mal. Soyez sur le gâteau, les publicitaires sont au courant de toutes les meilleures fêtes de la ville et peuvent faire mettre le nom d'Ariana sur la liste des invités. Et celle-ci a envie de se faire un nouvel ami. De se faire un nouvel ami célèbre. Ah bah oui, Nikki. Ok, on va prendre les deux là, parce que celui-là, je suis pas trop pour. Donc, on prend les deux autres, et ben ça, c'est cool. Ça, je valide. Par contre, je crois qu'elle est vraiment fatiguée, donc on va l'envoyer se coucher quand même. Par contre, regardez, on se fait... Attends, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la paparazzi? Soudoyer pour faire partir. Ah mon dieu, 500 simflouz pour faire partir le paparazzi. Demandez au paparazzi de s'en aller, on l'a laissé faire de grands signes au paparazzi. Tiens, on va faire une paparazzade. On va faire des grands signes au paparazzi. Menacer les paparazzis de faire un selfie avec un fan, parce qu'elle aussi elle est fan, poser pour... Ouais, tiens, ah, vas-y, va poser. Et lui, il veut quoi? Regardez. Non, moi je... Tiens, allez, fais des pauses. Mais non, mais je voulais faire des pauses. Se battre avec le paparazzi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle part, je voulais poser, moi. Bah, tant pis, hein. Mais Ariane était vraiment trop lente, là. Ça ne va plus. Faut que tu réagisses. Enfin, je préfère quand elle l'avait pas vu. Mon privé est devenu une zone à épilepsie avec toutes les mâches qu'elle a mis. Enfin, quand elle l'avait pas vu. Mais de quoi, Sinistral? De quoi? Enfin, je trouve ton live, hein, Valérie. 500... Ouais, c'est énorme, 500 simflouz pour demander... Enfin, tu me dis, moi, je veux devenir paparazzi, moi. Si les stars me payent 500 € pourront pas les prendre en photo, lol. LOL! Bon, on va se coucher puisqu'il y a un travail qui nous attend à 9h du matin. Ouais, 9h du matin. Bon, ça va, on n'est pas trop dans le bad, on va dodo et puis ça ira bien mieux. Renimo. Ariana, t'es trop l'auteur. Oulala. T'es trop l'auteur. Mais bon, si on peut éviter les auditions maintenant, franchement, ça c'est cool. Ah, fête des récoltes. C'est quoi ça? On n'a aucune récolte à faire, on n'a pas de potager, nous. Décorer. Vraiment planter le décor de n'importe quel jour férié. Ouais, ça c'est quoi? Gnome des fêtes. Offrez votre respect et des cadeaux aux gnomes amicaux dans l'espoir d'obtenir des récompenses festives. Grand repas et gratitude. Prenez le temps de réfléchir et d'être reconnaissant pour ce que vous avez. On ne sait pas quoi demain sera fait pour participer et discuter des raisons pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant avec un autre sim. D'accord, donc toi va manger. Va manger. Elle aura le temps parce qu'elle commence à 9h. Ouais, elle aura au moins un petit peu... Le temps de manger quand même, histoire de ne pas y aller le ventre vide. Et puis juste après, on va passer le petit... pas le casting, parce que c'est déjà passé. On rejoint comme d'habitude, moi j'aime bien rejoindre. On n'est pas des agriculteurs, en fait ça n'a rien à voir. En fait, il n'y a pas de truc de culturisation là. Je sais pas pourquoi, faites de la culture, mais... Peut-être c'était pas la même culture qu'on parlait là, en fait. Oh, et merci Dylan. Nous sommes arrivés sur le lieu de travail. Comme d'habitude, c'est Reiko, je crois, elle s'appelle. Ouais, Rieko, pardon, pas Reiko, Rieko. Et nous allons un petit peu dire nanana, répéter la scène avec la covedette et poster une story sur Simstagram. Comme d'habitude, on poste sur Simstagram pour dire voilà qu'on commence à tourner un film. On va répéter la scène avec la covedette qui... On est quoi? On partait sur quoi, là? C'était sur un truc de police, mais pourquoi c'est un alien? Lol. On s'est trompé de plateau? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Meilleure photo de tous les temps, vous abonnez, on a hâte de découvrir une prochaine Arena obtenue 12 abonnés. En gros, elle a que 314 abonnés alors qu'elle commence à devenir connue. Va falloir qu'on arrange cela. Bon, la bouffe, comme... Vous connaissez le petit rituel, hein. On volera la bouffe à la fin. Je suis un peu reposée. Ah, tranquille alors. On pourra faire son enfant avec des yeux, verron. Je m'avance. Bon, on va voir comment il va... On va peut-être le laisser au naturel. Après, ça dépend à quoi il ressemblera. Parce qu'avec les CC, des fois, ça peut partir en cacahuète. C'est Men in Black. Ouais, il y a moyen. Justement, je cherchais un film. Et Men in Black, bah ouais, c'est parfait. La référence parfaite. Détective Men in Black, bonjour. Communauté, un sim sur le plateau. Moi, tiens, on va complimenter son costume qui est super. Complimenter la tenue, bah bien sûr. Où est-ce qu'elle est, la réalisatrice ou le réalisateur? C'est lui peut-être, je crois. Ouais, c'est le réalisateur. On va obtenir les notes du réalisateur. Ah, c'est carrément lui qui vient, tu vois.
et dire au réalisateur que on peut commencer. Voilà, allons commencer. Jouer une scène de drague. On va faire tout. Hein. Flirter. On fait tout le temps tout en risqué. On est des thugs. Voilà. Donc ça, c'est la scène de drague. Ok, c'est parti. Action. Mouah, Ariane. Romanza. Si, il est content quand même de s'être fait draguer par Ariana. Ensuite, c'était une scène de quoi, là, qu'on est en train de faire? Se battre. Ok, ils vont se battre. Ils vont se battre. Ah, d'accord. Non, non, on voit rien. Oula, ses cheveux. Plus de respect pour le réalisateur. The Tugs. Parfait. Ensuite... Jouer, c'était quoi? C'était une... boire un verre avec. Et ici, ce sera quoi? Embrasser ensuite. D'accord. Donc, on va jouer une scène. Risquer, on boit un verre, apparemment. Allez, parti. Bonne soirée, Nujiam. Comment elle se barre après? Ok, Ariane a bourré. Yes. Allez, on passe à la scène suivante. Un baiser. Et ouais, c'est ça quand on est acteur. Hein. Et bah oui, hein. Elle est partie quand l'autre lui a choumé dessus. Il lui a refilé tous les microbes. Oula, 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 t'es très entreprenante là, Ariane. Oh lolo. Et jouer une scène d'emprisonnement, je crois que ça va être là. Ouais, sur la porte. Emprisonnement risqué comme d'habitude. Allez, on rentre dans la prison. Bonjour, merci, au revoir. C'était la détective Ariane sur vos écrans. Bientôt au cinéma. Ok, on a tout terminé, comme d'habitude. On pique la bouffe. On va piquer... Bah, du coup, il faut qu'on prenne des trucs excellents, quoi. On va piquer le saumon. C'est quoi, ça? Des tacos. On prend les tacos. Ah, on a pris les tacos. Les tacos. Ok, on a tout ce qu'il faut. On a piqué aussi tout ce qu'il faut. Et c'est fini. Du coup, oh là 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 là, rien n'a obtenu le niveau or, c'est dans la boîte. Rien n'a terminé toutes ces scènes. L'équipe s'apprête à partir. Les séquences vont être envoyées au montage. Nous avons gagné 2775 simflouz, qui est pas mal. On commence à bien gagner notre vie là. Et on a gagné un petit peu en notoriété. On va pouvoir rentrer chez soi. Ça fait plaisir. Rien n'a volé de tacos. Oh mon dieu, t'imagines en vrai. Tacos, ça va, y a pas mieux. Son accent dans le coin. Ah oui, les fameux tacos. On a pris les tacos. Wow. En vrai, j'ai jamais mangé un vrai tacos. Mais j'aimerais bien un jour manger un vrai tacos. On va mettre la bouffe dans le frigo, forcément. Pour pas que zapérime. Et ici, bah, nous sommes plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Ça, déjà, on range... Oh, les lutins! Il y a des lutins! Attendez, oui, on va s'occuper un petit peu du défi, je pense. Pour finir la journée et peut-être le live de la journée. Mais, oui, il y a des... Oh, calmer le gnome. Il faut les calmer. Offrez votre respect des cadeaux aux gnomes amicaux dans l'espoir d'obtenir des récompenses festives. Pour participer, trouvez des gnomes sur votre terrain, cliquez sur les gnomes et sélectionnez calmer le gnome. Donnez de la salade, donnez de la tarte, du café, des cakes aux fruits, donnez un cube du futur, donnez un jouet. Mais c'est flippant en fait, regarde, lui il est flippant, regardez. Oh mon dieu, regardez, il est pas flippant genre. Regardez sa tête. Enfin, je suis désolée, mais moi je vois ça qui apparaît dans ma maison. Je sors de ma maison immédiatement, hein. Ouais, des lutins du jardin de la grand-mère d'en face dans la maison. Mais en fait, je sais pas, c'est l'événement de la journée, en fait. Et y a deux gnomes qui sont apparus. Bon, lui, à la limite, encore. Bon, même s'il est quand même un petit peu flippant. Après, moi, j'ai un problème avec les gnomes. J'ai regardé trop de films d'horreur, mais... Et merci, Lolilol. Bienvenue à toi.
Ouais, on va refaire la cuisine, mais je me demande si on va pas refaire d'abord la salle de bain avant la cuisine, parce que rappelez-vous, la dernière fois, elle nous avait cassé toute la salle de bain, le l'évier, enfin, le lavabo, les toilettes et la douche. C'était peut-être un message pour nous dire, oh non, ah bah maintenant c'est ça qui est pété. Mais en fait, c'est les gnomes qui me l'ont pété. Je suis sûre que c'est eux qui me les ont pété. On va calmer les gnomes, on va donner quoi? Tiens, toi tu vas un jouet, ça va te déstresser, et toi du café pour te réveiller parce que t'as l'air un petit peu endormi quand même. Voilà, lui a donné un petit jouet. What? Il est pas content! Il m'a cassé ma télé! Mais t'es sérieux, le gnome? Tu es horrible, je vais te donner un coup de pied au cul. Oh! Regardez! Implorer le pardon. Il avait la dalle, en fait. C'est peut-être pour ça, en fait. Oh non. Are you Spanish? No, sorry. Brûle-le, je te dis. Mais regarde, il est en train de brûler tout seul, déjà. Implorer le pardon. Ah non, ça va, il a réparé ma télé? Désolé. On va faire comme ça. On verra mieux. Mais il va tuer ma Sims! Mais t'es sérieux, toi? C'est quoi ça? Plante saisonnière d'été. Mais t'es sérieux? Je vais sauvegarder parce que ça me fait peur, hein. J'ai peur que ma Sims, elle crève. Coucou Louane! Ah, démon, mais d'où il sort? Mais what? Mais c'est quoi? Non, mais il veut me faire mourir. Je crois que tu peux les vendre. Ah ouais? Et chanter ensemble? Bor Simsa Ibzida Dur. Mais non, je chantais avec. Avec le gnome. On peut pas chanter juste. Bah, j'en ai choisi un. Ah, il vient, comme ça on chante ensemble. On chante. Mais casse-toi d'ici, mec, gros malade. Mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a un gnome à la maison qui est en train de persécuter. Alors que lui, regardez-lui, il est content, regardez. Lui, on lui a donné du café, il est content, tu vois, il est bien. Par contre, lui, il est complètement fêlé, ce gnome-là. Riparagana. Vous imaginez, j'ai pas sauvegardé avant de parler au gnome, et vous imaginez si le gnome aurait tellement électrocuté ma Sims qu'il l'aurait tué, ça aurait pu se passer comme ça. Non mais c'est Satan, mais il est flippant. Regardez, il n'est pas du tout content. L'affreux gnome fantomatique en même temps avec ce nom-là. On va voir si ça... Ok, on se fait encore électrocuter. Ben je peux rien faire d'autre moi, hein. Je peux rien faire d'autre. Bon tant pis pour toi, moi je pique le sachet dans mon inventaire là. Merde. Je pique le sachet parce que je sais pas ce que c'est. Des graines, ce paquet contient des graines d'une plante qui pousse particulièrement bien en été. Et nous sommes en automne. Ok, bah je le mettrai en été. Ça, on va décorer. Accrocher des décorations. Voilà. Pour la fête. Mais lui, par contre, on pourra rien y faire pour lui. Ah, tiens, on va réparer. Autre chose. Est-ce que des raisons pour lesquelles... Oui, donc faut trouver un autre Sims. Et merci Kalim, bienvenue à toi, merci beaucoup. Et tiens, on va en profiter aussi pour chercher une audition, quoi. Carrière, chercher des contrats. Ils sont flippants. Si la re-électrocute, renomme-le Claude François. Renomme-la Claude François avant, s'il te plaît. Non! Moi, je parle plus, de toute manière. Oh! Et merci pour le don. Et regardez ce qu'on nous propose. Apocalypse zombie. Entre 1002 et 2800 simflouzes. Heure de l'audition peut être évitée. Et heure de contrat dimanche à 9h. Et du coup, il faut avoir 5 en fitness. Donc, on a déjà. Donc, écoutez, c'est parti pour ça. Et du coup, on a pu éviter. Ça, je nettoie. Ça aussi, je vais nettoyer. Ça, c'est quoi? On a reçu d'autres trucs là. Plantes saisonnières d'hiver. Ah, nice, ils nous font des petits cadeaux. Est-ce qu'il y a un Gugus qui passe dans le coin? Attends, non, je vais inviter quelqu'un pour pouvoir faire ça, en fait. Gratitude. On va inviter un Gugus. Est-ce qu'on invite Vanessa, peut-être? Non, on va inviter Miko. Parce que Vanessa, on est déjà au max avec elle. Invitée à venir sur le terrain actuel. Enfin, si elle veut, je sais pas si elle voudra. Enfin, moi, je me sentirais peut-être plus en sécurité avec elle que toute seule avec ce gnome. Encore lui, ça va, il est cool. Mais lui, il est pas cool du tout. Hein. En plus, c'est une célébrité, lol. Célébrité de série B, les gnomes. Est-ce qu'elle va venir? Ah oui, elle arrive, c'est cool. Et merci, bienvenue à toi. Merci beaucoup.
Ah, alors, se plaindre du jour férié des récoltes. Mais non, on ne veut pas se plaindre. Être reconnaissante, voilà ce qu'on veut. Voilà. Et on va préparer un grand repas. De la dinde, voilà. Voilà, on a été reconnaissante. Au moins, voilà, elle est toute contente, regardez. Elle est super contente. On va faire le grand repas. On prépare un grand repas en cliquant sur la cuisinière ou le réfrigérateur pour commencer le festin. Annoncer le grand repas si le plat est terminé. Voilà, comme ça, après, on annonce le repas. On mange avec elle. Tout se passe bien. Tout le monde est content. Mais il vient le nain blême derrière. Il va brûler sa maison. Il va aller vivre chez Nicky MDR. Oh, regardez, il laisse plein de trucs. Annoncer le grand repas. Il laisse plein de trucs par terre. Moi, je ramasse tout, moi. Mais lui, je parie que c'est que le gentil gnome. Avec sa cloche, genre, ils sont 50 dans la maison, alors qu'en fait, elles sont que 2. Voilà, et ça, je mets au frigo. Bah, c'est bon, pourquoi il me le valide pas? Qui gargouille d'avance, veillez juste à ce que quelqu'un d'autre se porte volontaire pour faire la vaisselle. Ah bon? Il n'y a pas de vaisselle, là, pour le moment. Oh, hop. Ok, on a tout rangé. On est bien. Et ça, c'est pour quand? D'automne. Bon, on va peut-être les mettre. Tiens, on va les mettre là. Ouvrir les sachets. Ah, mais non, faut les ouvrir. 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 Et ouvrir. Donc, nous avons des carottes, nous avons des oignons et nous avons du citron. Ah, du citron. Bah, tiens, le citron, on va le mettre. Manger, bah non, on va pas manger le citron, on va le planter, comme ça il y aura des petits citronniers devant la maison d'Harry. Hey Sala, comment vas-tu? Coucou Mini Love. Tu as aussi un gnome dans le sapin. Ah ouais? Je l'ai pas vu s'il y en a un dans le sapin. Ah! Ah! Je l'avais pas vu lui! Et lui, il est comment? On va calmer le gnome, on va lui donner de la bouffe, hein, parce que j'ai l'impression que les jouets ça marche pas trop. Attends, il y a le sapin. Attendez, je vais déplacer le sapin. Ah, mais tu sais que je l'avais même pas remarqué. Tu m'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. Hein. Bah, tiens, le sapin, pour l'instant, on va le foutre. Je sais pas, moi, où il y a de la place. Ah, c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à mettre le sapin ici. Moi, je vais le mettre ici. Voilà. On va le mettre là. Voilà. Je l'avais pas vu, hein. En vrai, hein. C'est vrai, hein. Voilà, je te jure, hein. Je l'ai pas vu, hein. On va lui donner de la tarte. Non, il est vénère! Non, mais sérieux. Mais je t'ai donné de la tarte! On va essayer. Viens pleurer le pardon. Ah! Yes, ça a marché pour lui. Merci bien. Ok. Bon, au moins, on en a deux gentils et un méchant. Ouf! On a frôlé la catastrophe, hein. Le gnome ninja. Mais oui, en plus, il est vert comme le sapin, quoi. Il était vert comme le sapin. Et comment il s'appelle, l'affreux gnome fantomatique? L'affreux gnome fantomatique, et lui c'est le gnome gardien du jardin. Donc en fait, lui il est cool et tout, mais les deux là c'est des petits monstres en fait. Bon, ça va, celui-là on a réussi à implorer son pardon, il a eu pitié de nous, il s'est dit c'est bon, il s'est déjà fait électrocuter. Enfin, Harry s'est déjà fait assez électrocuter par mon cousin en bleu, hein. Voilà, frappe-les. Mais tu peux rien faire d'autre. Attendez, vous m'aviez dit qu'on pouvait les revendre. Effectivement, bah tiens, le méchant gnome, on le vend, on veut pas de lui. Les deux autres, les gentils gnomes, on les garde. Voilà. C'est parfait. Voilà. Et on va envoyer Harry prendre une douche et aller au lit. Ah mon Dieu! C'était une journée assez compliquée aujourd'hui avec notre Ariana. Entre les gnomes, entre Nikki qu'on n'a pas eu le temps de parler, et entre le fait qu'on s'est fait refouler juste devant l'entrée. C'était une journée assez fou quand même, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle était pas simple cette journée avec Harry, hein. Vraiment pas simple, hein. J'étais pas la simplicité là quand même, hein. Il reviendra MDR, sérieux? Non, il peut pas revenir. On vient de le vendre. Vous imaginez si on le revend à l'infini, on peut se faire de l'argent à l'infini. Ce serait de la triche quand même.
Désolée, j'ai reçu une photo de caca dans les toilettes sur Snap. Lol. Oh mon dieu. Regarly. William Derst, tu vends les sapins, ça te fait de la monnaie. Ouais, c'est vrai, mais vu qu'on est en ambiance décembre, Noël, même si c'est pas la saison là, mais de toute façon, après automne, il y a quoi? Il y a l'hiver de toute manière, donc autant le garder. Comme ça, on reste quand même dans l'ambiance. Voilà, il y aura une rediffusion, oui. Il y aura une rediffusion, oui. Effectivement, il va y avoir une rediffusion. Je dois aller dormir. Ça m'a original, bonne nuit à toi. Le stress de dormir avec ce gnome. Ouais, non, mais moi, ça, moi franchement, ouais, c'est vrai que je flipperais de dormir avec. Ah, on reçoit des petits cadeaux en cœur. Des petits cadeaux. Ouais, je prends tous les petits cadeaux. Hop. Après, ils font des beaux petits cadeaux quand même. Sans simplouze, hein, ça vaut quand même les trucs là. Envie d'aller aux toilettes. Bah, va aux toilettes. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour Ariana. J'espère quand même que ça vous aura plu. Moi, franchement, je me suis bien amusée aujourd'hui. Il y a eu pas mal de rebondissements. On n'a pas pu vraiment parler à Nikki, mais ça viendra. On avance plutôt bien quand même. 3 étoiles, 3 en notoriété. On est arrivé à la moitié de la notoriété, voire un petit peu plus, puisqu'il y a 5 étoiles en tout. Donc là, c'est quoi? C'est événement soirée en ville. Ok. On pourra faire ça. Catch avec vous MSP. Bah, c'est grave bien. Bah, merci. Bah, franchement, moi, je me suis bien amusée aujourd'hui. C'était cool, la prison. Bon, vu l'heure qu'il est, je pense que ce sera pas pour aujourd'hui. Là, je vais couper le live et puis je vais un petit peu faire m'entraîner. Enfin, pas m'entraîner, mais faire un petit peu de montage vidéo. Bah, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Coucou, Chacha. Désolée, tu viens à la 20. Oui, d'ailleurs, oui, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à toi, Ahmed. Faites comme Ahmed. Abonnez-vous. Plutôt de ce côté-là. C'est la fille, elle se trompe toujours de côté, mais bon, hein. Et sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Merci d'avoir été là. Également, merci à la team Rediff d'avoir regardé. Je fais des très gros bisous et je vous dis certainement à demain. Ciao, ciao.